C'est toujours bien de parler à ceux de dehors avant de revenir en famille. C'est ce qu'il fallait faire. Et aussi, ce temps passé, c'était nécessaire pour qu'on puisse observer, que vous puissiez observer ce qui se passe. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer, c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi, dans l'administration, un peu partout. Vous avez pu observer l'évolution de la situation. Et je pense qu'il était temps, donc, en début de cette année, qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution, mais aussi pour le pays entier. Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères. On a remarqué ça. Lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est un cabinet d'études externe. On donne au cabinet pour faire l'étude et c'est coûteux. Mais de vous à moi, vous savez très bien, la plupart du temps, le cabinet se retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère. Est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Vous êtes par exemple informaticien. On vous demande un travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut remonter vers des institutions, en tout cas étatiques, qui puissent vous aider à le faire. La première des choses que les gens font, c'est un dossier rapidement. On recrute un cabinet et on les donne. Et derrière lui-même, il passe, il part travailler. On a observé ça. Il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ANSAL puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup de. Le privé est très développé. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi, voilà, à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il ne faut pas que dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche et on va mettre fin à ça. On a parlé des mots comme la corruption, voilà, mais ça continue. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses, mais il faut que nous-mêmes on reconnaisse qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption. C'est la lenteur administrative, en tout cas l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, hein, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais des mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger le travailleur. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Ah non. Ah non, moi je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais. On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. La machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Eh bien, ça démarre.
le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotion-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Dans notre émotion, on n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. On n'arrive pas à sanctionner quelqu'un. Il y a des gens qui sont de gros travailleurs dans notre administration. Et vous les connaissez. Ils viennent très tôt. Tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Ils sont nombreux, ceux-là qui viennent, qui repartent jusqu'à la nuit, qui font le travail. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au porc au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous les connaissez. Et d'autres sont obligés de faire leur travail. Mais pourquoi ces gens-là, on ne les sanctionne pas? Tous ceux qu'on va prendre dans les situations d'absence chroniques dans les administrations et qui ne sont pas sanctionnés. La personne sera licenciée. Le directeur qui était censé le sanctionner là sera probablement licencié aussi, sinon puni. On ne peut pas continuer comme ça. L'esclavage existe dans nos administrations. On vous a recruté pour faire un travail. Vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent et ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas esclavagisé des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît même pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Le gars commence à parler comme ça. Si tu ne sais pas ce que tu veux, là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, bon, prend son téléphone, il a quitté le bureau. Il n'est plus là. 11 heures, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier vide. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pour quoi? Vous voyez l'esprit là? D'autres sont recrutés pour faire un travail. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent qu'on leur donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Ah si, il y en a, on va taper. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. Donc on mettra de l'ordre dans nos propres rangs avant d'arriver dehors. La lenteur administrative sera cessée. S'il y a un travail, il faut le faire. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabés? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, les fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, non? SGG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester.
Je refuse. Je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, dans l'armée, ça a déjà commencé. De notre côté, il faut lui dire, ça ne va pas. On a dit au départ ce qui était là, ainsi de suite. On a essayé de parler aux gens, de sensibiliser pour que certains comprennent. Cette fois-ci, c'est fini. Le temps de la sensibilisation, de regarder là, c'est terminé. Le vendredi passé, on a radié un officier. Ça, c'est le départ. S'il faut encore la semaine prochaine radier un autre, et ainsi de suite, on va radier. Quiconque va s'amuser avec la vie des hommes, on ne va pas plaisanter. On est en train de monter en puissance. Le peuple a consenti d'énormes sacrifices pour qu'on puisse être équipé, qu'on ait le nécessaire pour faire la guerre. Oui, ça avance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. J'attends d'autres rapports. Tant que ce n'est pas élucidé certaines conditions, on ne va pas s'arrêter. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, à Solé, c'est inadmissible. Et quand tu es officier, on t'a désigné. C'est le peuple qui t'a confié ce pouvoir-là. Vous êtes un chef d'élément, vous envoyez en mission, vous faites la mission. Tout le monde sait ce que c'est que la mission militaire. Il n'y a pas à baisser la garde. Et ce qui fait encore mal, c'est que je pense que depuis le 19, tout le monde a été alerté qu'il y a des projets d'attaque d'envergure. Et je pense que les zones de Solé, Arbinda, étaient plus menacées. Et je pense que c'est le 21, c'est ça? Il y a des missions qu'on a envoyées spécialement pour aller voir ces points-là, revoir le dispositif de défense et tout, les conseillers. Mais malgré ça, si tu dors, on va te taper. Il ne faut pas croire que c'est fini. Ce n'est pas fini. Il faut rester concentré, toujours concentré. Et c'est la mission de l'officier. Les hommes ne s'appartiennent pas. Un militaire, là, il ne s'appartient pas. Il appartient à la patrie. Personne ne dira le contraire. Et si on prend quelqu'un, tu es un chef d'élément, on te confie des hommes, c'est toi ta responsabilité de tout faire pour qu'ils soient en vie. Tu les commandes. Si quelqu'un refuse, tu le punis. Jusqu'à la radiation, ça existe. Ce qui s'est passé là-bas, on a été surpris. Du moment même que le matin à Gorgadji, on dit qu'il y a une attaque, ça veut dire tout le monde se met en alerte. Mais 3 heures plus tard, à 9 heures, on vient encore attaquer. C'est impossible. Il est temps que la révolution, là, ça marche. On ne peut pas vouloir se développer dans ça. En voulant feinter, déplacer les problèmes. Non, il faut affronter les problèmes et les résoudre. Voilà pourquoi les gens affrontent actuellement le terrorisme et combattent. Donc dans l'administration, chacun aussi doit affronter tout ce qui est problème et résoudre. On ne va pas avoir froid aux yeux. On fera ce qui est bien pour le peuple là. Et que tout le monde puisse vivre dignement. Que chacun se mette au sérieux. Et ça commence par vous, travailleurs de la présidence. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie. Il faut qu'on arrive à équilibrer la balance. L'autosuffisance alimentaire. Ce qui va nécessairement faire baisser le coût des denrées. Même si vous touchez 100 000 francs, si le sac de riz a baissé, ainsi de suite, tu peux nourrir ta famille. C'est lorsque vous avez un bas salaire et que le coût de la vie est élevé qu'il y a un problème. Donc c'est ce combat que nous essayons de mener actuellement pour que tout le monde puisse avoir à manger. Et aussi, ce qui va en parallèle avec, comme on l'a dit la dernière fois, c'est de tout faire pour arrêter les importations. On va importer que ce qui est nécessaire. Et je pense que c'est dans ce sens que l'APEC a été créée, pour qu'on puisse s'industrialiser un peu. Il y a beaucoup de volets qui seront pris en compte là-bas. Pour mettre, il y a des usines qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. On peut le faire. On trouvera toutes les formules possibles pour pouvoir s'industrialiser et éviter que nos devises ressortent. Parce que nous ne sommes pas pauvres.
Mais tout ce qui ressort de notre sol repart dehors pour payer à manger. 7500 agents de la fonction publique qu'on veut recruter. D'abord, pourquoi il faut recruter? Est-ce qu'on a fait vraiment le point? Les GRAS doivent ouvrir l'œil. Parce que je sais que les premiers marteaux, ça va commencer par eux. C'est sérieux. Les gens ne maîtrisent pas les effectifs. Et si à ma fin, partout dans les ministères, vous demandez les effectifs et la position, on ne peut pas vous donner. Voilà la situation au Burkina Faso. On veut recruter. On ne nous amène même pas combien partent à la retraite, combien peut-être ont démissionné, ou peut-être des cas de décès. Il faut ces statistiques-là pour exprimer le besoin. Maintenant, chacun est assis de façon mécanique. Il reconduit seulement. Il reconduit. Ils auront un délai. S'ils n'ont pas pu le faire, ça veut dire qu'ils sont incompétents pour faire leur travail. Oui. Vous êtes dans les quartiers, dites-moi. Combien de fonctionnaires vous connaissez sont couchés chez eux? 24 sur 24, ils sont à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au bureau, ils sont 2, 3, 4 dans le même bureau. Et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. C'est pas bien. Mais ça, c'est le travail des RH. Il faut qu'on maîtrise les effectifs, qu'on sache pourquoi on doit recruter. Parce que la fonction publique, beaucoup de gens ont compris peut-être les paresseux dont je parle là. C'est comme une assurance vie. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà, tu peux faire ce que tu veux et voilà, jusqu'à la retraite, c'est assuré. Ah, c'est fini, désormais il n'y aura plus ça. Et on va même voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Et ça va passer. C'est ça, non? Et si tu as la preuve que le gars-là, il est absent, on demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatifs, c'est cash, ça se paye. Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, tu viens. Donc, on va instituer une prime pour ça. Donc, l'instruction a été donnée de faire ce décret-là. Ça sera comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques, contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois sans forcément être dans la fonction publique. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye tout de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, là, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Tout marche. Mais il y a d'autres secteurs. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ces secteurs-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, là, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, vous pensez qu'on ne peut pas recruter, créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes, des emplois pérennes? Il faut qu'on arrive à rationaliser nos finances là. Ça ne peut pas se passer comme ça. On va subventionner beaucoup de cultures. On va organiser les filières là et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au Burkina. On n'a pas de paresseux, hein. On a de gros travailleurs au Burkina. L'initiative qu'on a lancée, moi j'ai suivi tout de bout en bout. Jusqu'actuellement, ils sont en train de récolter le riz. Mais on a de braves paysans. Il les suffisait d'un peu d'aide. On était parti sur 11 000 hectares. On en a à 15 000 hectares. C'est un échantillon. La plupart des bas-fonds où les gens sont partis, on me renvoie les films que je suis quand ils interactent avec les paysans. Vous allez les trouver, ils ont des bassins de 50 hectares. Mais du fait de la pauvreté, ils ne peuvent que cultiver 1 ou 2 hectares. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé de l'argent. On laboure tout, les 50 hectares, gratuitement. On vous donne les intrants et on vous donne les semences améliorées que nos chercheurs ont produit.
C'est des chercheurs burkinabés, toutes les semences qui ont été données, c'est eux qui ont produit. Une fois que les paysans ont eu ça, mais ils ont fait un travail incroyable. Les résultats sont largement au-delà de ce que vous attendiez. Que ce soit le riz ou le maïs, que moi en tout cas je mange, c'est ce que j'ai cultivé. Ça vient de la terre du Burkina et je ne vais plus manger de riz importé. Ça c'est fini. Et les gens sont en train de récolter actuellement. Les paysans sont dépassés. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça parce qu'actuellement, ils vont manger à leur faim, tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme. Ils pourront payer l'école de leurs enfants. En tout cas, ils ne vont plus tendre la main aux autres. Parce qu'au Burkina, le système, c'est quoi? Quand quelqu'un est fonctionnaire dans une famille, c'est lui qui gère toute la famille. Mais pour qu'on n'inverse pas le système, que le salaire de fonctionnaire soit pour lui, il faut que les villageois aient à manger. S'il n'a pas à manger, il va venir vers vous. Mais souvent, on est là, c'est ça qu'on met comme argument. Ah non, derrière un fonctionnaire, c'est plusieurs personnes qui sont là. Hein. Nous, on veut casser avec cette routine. Il n'y a plus personne derrière lui, c'est sa famille. Il faut qu'on trouve du travail aux paysans aussi. Donc, actuellement, la tendance, c'est de tout faire pour que les paysans soient indépendants financièrement. L'initiative a donné un coup de pouce. On a vu, c'était une expérience. L'offensive est lancée actuellement dans la campagne sèche, parce que l'offensive était prévue derrière la campagne humide, mais on a tout fait pour commencer en campagne sèche. Déjà, ça promet très bien. Si ça prend comme on le souhaite, mais c'est fini. Les producteurs sémenciers, nous avons les meilleurs producteurs sémenciers d'Afrique. Vous ne saviez pas peut-être, hein? Moi aussi je l'ai appris, je les ai rencontrés, qui vendent partout en Afrique les semences, les Burkinabés. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Ils produisent ici et ils vendent un peu partout en Afrique. C'est eux qui ont produit les semences qui sont en train d'être utilisées actuellement. Ça veut dire qu'on a du potentiel. Il y en a, il faut les valoriser, c'est tout. Il faut donner à travailler à la jeunesse. Et je ne pense pas que c'est dans la fonction publique forcément. C'est un débat qui va se mener. Et il faut de la communication pour sensibiliser. Et à nous de pouvoir créer les emplois nécessaires pour que les jeunes puissent s'épanouir. Mais tout le monde est là, c'est juste la fonction publique. Non, il faut qu'on change la donne. Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Donc en pensant aux plus démunis, ça nous amène à changer la conception des choses. Le monde paysan qui souffre beaucoup, le combat est orienté vers eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de creuser plein de forages à grand diamètre pour qu'ils puissent cultiver et travailler toute l'année, au lieu que ça se limite à la saison pluvieuse. Il y a un programme de 136 forages à haut débit. Donc, les réalisations ont commencé. Je pense que plusieurs forages ont déjà vu le jour. Et ça va continuer pour que nos paysans puissent travailler. Et je pense que c'est ça le plus important. Et chacun d'entre vous, quand vous êtes dans votre bureau, il faut toujours penser à ces pauvres paysans-là. Il faut qu'ils arrivent à vivre dignement pour que vous n'ayez pas chaque fois, à chaque fin du mois, penser à envoyer quelque chose là-bas. C'est eux-mêmes qui vont vous envoyer des poulets et des vivres pour vous soutenir. Parce que normalement, la richesse est au village. Mais le système a fait que c'est inversé. Actuellement, on a acquis des missiles beaucoup plus puissants. C'est ce qui a été expérimenté à Djibo. Avec ces missiles étaient beaucoup plus puissants que les autres qu'on utilise. On en a acquis 2, 3, 5, 10 fois plus puissants. Et il y en a qui continuent de venir. Quand vous dites, on dit on commence le développement de la guerre parce qu'en réalité, l'équipement terrestre, là, c'est maintenant que ça vient. C'est au cours de l'année, là, beaucoup d'équipements vont venir pour la protection et pour la manœuvre. Donc, la puissance de feu va s'accroître considérablement au cours de l'année. Donc, les cotisations que vous voyez, rien que les petits missiles, ça ne suffit pas. Mais comment on fait pour payer les VDP? Comment on fait pour les équiper? Comment on fait pour équiper le reste de l'armée? Est-ce que vous savez? Mais c'est les ressources du pays. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources. Sinon, nous aussi, on pouvait aller créer des comptes offshore, transférer les milliards là-bas et puis dire qu'on fait la guerre. Mais non, on a voulu tout faire dans la guerre. Les pays étaient capables de faire la guerre, mais ça a été mal géré. Ça, il faut le dire clairement. Et qui le veut, on va le démontrer. Rien que le matériel de protection et les armes individuelles,
C'est pas du jeu. Mais tout ça, ça a été payé, non? Toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'argent du contribuable. C'est dans la gestion qu'on a pu le payer. On concentre tout, on optimise et ça peut faire la guerre. Je pense que c'est un sacrifice qui n'est pas de trop. Il faut que notre niveau de la puissance de feu arrive à un certain niveau, de sorte qu'il n'y ait plus match et qu'on reste concentré. Donc c'est ce qui a mené un certain nombre de mesures qu'on a prises, parce que voilà, la guerre va passer à un autre niveau encore. Le développement, voilà, a commencé maintenant. Et on va se mettre au sérieux. Et ce qui veut dire que tout le monde doit rester concentré. Beaucoup d'autres combats seront menés. Et comme je parlais d'esclavage, voilà, vous avez entendu parler des sociétés de placement et autres là. Voilà, on va s'attaquer à ça aussi. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Vous créez votre société, l'entreprise est là. Il veut recruter, oui. Il peut faire appel à une société de recrutement. Il recrute le personnel pour lui, selon des critères bien fixés. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il veut un travail dans une entreprise, il se fait recruter par la société. L'entreprise le paye, par exemple, 300 000 le mois. La société le paye 80 000. Et il garde le reste. C'est ce qui est là. Les gens ne veulent pas changer leur comportement. On va s'attaquer à ça. Et il y en a plein partout. Causer avec les jeunes, ils vous diront. Vous trouvez que ce n'est pas de l'esclavage? Le gars, il travaille et c'est l'autre qui récupère tout. Et généralement, même, on ne le déclare pas à la caisse. Il est blessé, on le limoge. Il part à la retraite, il ne sait plus quoi faire. Il y a de l'esclavage que nous-mêmes, on s'administre. La dernière fois, la mairie a payé les travailleurs qui... saisonnier là. Vous avez suivi ça? C'est de l'esclavage qui s'est passé. En 2022, dès octobre, ces gars-là se retrouvaient vers la résidence. Chaque matin, moi, je sortais, je les voyais et je les ai fait rencontrer pour comprendre. Quand ils ont expliqué leur situation, voilà. Mais pendant ce temps, des gens fêtaient leurs milliards à la mairie ici. Pendant qu'il y a des travailleurs, d'autres sont décédés. Que vous torpillez. C'est normal ça. Donc quand on va s'attaquer à des gens, il faut que tout le monde comprenne. Même si c'est votre cousin, c'est votre frère, il faut que vous compreniez. On ne va pas permettre à des gens d'esclavagiser des Burkinabés. Il y a beaucoup de mots dans notre société. On ne peut pas finir de parler de ça. En tout cas, vous allez entendre beaucoup de bruit, que ce soit dans notre milieu ou dans d'autres milieux, parce qu'il y a beaucoup de mots. Hein. Voilà, il y a beaucoup de mots. Et on va s'attaquer à ça. Chez nous, par exemple, il y a des FDS qui sont payés par les contribuables, mais des chefs les prennent. Ça veut dire, lui, il est riche, il veut une sécurité. Au lieu d'aller prendre la sécurité privée, le chef le prend ses éléments, il met en location. Voilà. Et lui, il prend l'argent. L'argent ne part pas au trésor. Il y en a plein. Et on va s'attaquer à ça. Donc, vous allez entendre du bruit. Mais on profite de le dire ici. On va s'attaquer à ça. Ce n'est pas normal que les contribuables payent et que des gens prennent, ils louent et ils prennent l'argent. Ces gens-là doivent aller combattre. Ils ne doivent pas rester ici en ville. Si quelqu'un veut sa sécurité, il y a sécurité privée. Ou si on doit le mettre à la sécurité de quelqu'un, l'argent part au trésor. Parce que c'est ça qui doit servir à payer. Donc, ce qui veut dire qu'on va toucher à la soupe de certains. Ils vont commencer les manipulations de tout genre. Celui qui est malin, qu'il s'en écarte. Celui qui n'est pas malin, il rentre dedans. On va fouetter avec tout le monde. Voilà. Parce que la patrie ou la mort, là, ce n'est pas un slogan. Ça a tout son sens. Et c'est maintenant que le sens réel de ce slogan-là, vous allez comprendre. C'est la patrie ou la mort. Soit on gagne pour la patrie, ou bien on meurt. Mais nous allons vaincre. C'est ça le plus important. Ok, merci à tout à l'heure. J'apprécie vraiment la rencontre parce qu'il a parlé sans langue de bois. Et j'ai vraiment aimé sa manière de parler. Et tout ce qu'il a dit, c'est vraiment le
ce que nous vivons actuellement. Et moi, je pense vraiment que la lutte pour les démunis, c'est vraiment très important. Parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans notre pays qui n'est pas vraiment catholique. Et je soutiens vraiment le combat de son Excellence, Monsieur le Président. C'est la première fois qu'au sein de la présidence, on a eu un tel genre de rencontre comme ça avec un chef d'État. C'était vraiment franc et ouvert. Et il a été franc avec nous. Je pense que au sortir de ces échanges, nous, personnel de la présidence du FASO, nous allons envoyer le message à ceux qui sont au quartier, dans les autres structures, pour qu'ils puissent comprendre ce que le président du FASO veut faire en 2024. Ça m'a beaucoup honoré d'avoir un entretien direct avec le président, y compris tout le personnel de la présidence. Ça nous fait plaisir, parce que depuis qu'il est au pouvoir, comme il a bel et bien précisé, c'est la première fois. Voilà, donc il a eu à écouter les différentes doléances, les différentes préoccupations. Et on espère que ça va changer. Après les échanges, nous sommes très très contents et fiers et convaincus avec les paroles du président. Et ça nous rassure plus qu'au Burkina Faso, nous sommes fiers et très fiers d'être Burkinabés. Et voilà, donc nous pensons que avec ces paroles, nous allons nous mettre vraiment au travail et rehausser le niveau que le président attend de nous. Je suis ému, voilà, ce que le président de FASO a pu faire cet échange avec nous. Ça montre clairement qu'il est prêt pour aider le Burkina et il est prêt aussi pour soutenir le travail que les agents de la présidence de FASO abattent le jour, le lendemain pour lui.